Du coup, j'ai perdu ma monture. Je capte un autre signal. Oui, oui, je sais. Ok. Je crois que je me rapproche du signal. Oh merde, c'est occupé. Bon coup, marche du soleil. Ouais. Ah. Tac. Petite récupération de gold. Ah non, il veut pas ? Quoi ? Il crie trop tôt ? Ah bah tiens. Il y a mon coup qui passe à ce moment-là. Allez, voilà. Alors. Donc c'est une zone qui a l'air occupée, donc... On va pouvoir... sacrément occupée, quoi. Je dois grimper jusqu'à la tête du grand coup. Passé. Les tueurs, qu'est-ce qu'ils font ici? Je sais pas, mais j'ai pas envie de me battre contre eux tout de suite. J'ai repéré quelque chose. Je dirais qu'ils essaient de capturer le grand coup. Alors, pour le côté discrétion, on y reviendra. Il y en a d'autres qui devaient descendre de côté. Comment on monte ça? Non. Il revient, justement, je voudrais profiter. Je peux grimper là-dessus? Ah! Je vais être trop bas. Reste dit toujours, patience. Oui, bah t'es mignon, mais largement trop bas. Par contre, la plateforme, elle est à bonne hauteur. Allez, bon, j'ai loupé le coche, mais c'était bon pour le suivant. Je peux grimper là-dessus. Bon, je sais pas si t'as étudié pour. Je devrais pouvoir sauter sur ce grand coup d'ici. Merci, j'avais deviné. Puis qu'attends qu'il fasse son tour. Ok. Ah, on peut passer par là. D'accord. Le corrupteur là. Vraiment pas envie de me battre contre ce truc là. Idéal pour sauter sur le grand coup. Oui, c'est pour ça que j'attends. D'ailleurs, un grand choc électrique. Faut que j'ai fini. Je sais pas si ça tue le corrupteur, ce qui... J'en sais rien en fait. Mais ça va réveiller tout le monde, ça c'est sûr. Et qu'un grand coup ici. Ok, il faut que je grimpe sur sa tête. Oui, je voudrais que tu prennes la quête. Voilà. Et je switch sur le côté, c'est ça. Oula. T'avais une main dans le vide quand même là.
Hop, 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 hop. Bon. Ok. Allez, on récupère la map. Marche le soleil terminé. Alors le truc c'est que si je redescends en plein milieu des ennemis, ça va être chiant. Je suis quand même curieux de savoir ce que ça fait sur la... Il va prendre cher. Allez, on va tenter. Ah oui. Effectivement, assez pour le one shot, enfin, le terminer. Bon bah c'est bon à savoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Flèche renforcée. Okay. Ok, ok, ah oui bah du coup ça a découvert une bonne partie. Évidemment. C'est quelqu'un qui est activé là. Non, 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 c'est pas la quête principale que je fais moi. C'est la tâche. Partie de chasse. Voilà. Ok. Je vais continuer mon épopée. Pas me faire écraser par le grand coup comme la dernière fois. Ah, ça n'a pas ça. Et là, toi. Parfait. Bonne viande. Et du coup, il va manquer juste un os de rat. C'est ça. Ok. Balance ton coup. Mais je lui fais pas mal, j'ai dit. Je récupère juste sa carte. Ah, je peux remonter là-bas. Les dégâts de chute sont violents ici, pas doucement. Bonjour, êtes-vous allié? J'avais plus le point sur votre tête. Prends ça pour un nom. Ah, attention, il sera fort. J'ai pas entendu ce qu'il a dit, mais j'ai l'impression qu'il a dit attention, ils sont à 3. Il a sacrément bu. Ok, est-ce que je peux t'appeler toi? Est-ce que je peux te pirater? Oui, parce qu'un ravageur c'est plus petit que... Allez viens. Enfin, je sais plus qui je dis ça, mais... Allez, allez viens. Ok. Non? Toi ? Ouais, oulala. Voilà, parfait. Viens me voir.
Ok, parfait. Pas cette fois, petit. Ok. Ouais, qu'il a une mitraillette sur le dos, j'ai oublié. Petit détail. Merci. Aïe. Attends. Il est où mon pote là? Ah, il est par terre. Ah d'accord, ok. Un peu crié dans le micro. J'étais surpris par le saut du plus gros qui était juste derrière. Wow. J'ai bien fait me faire un pote avant parce que c'était compliqué. Je me pose la question si je peux le repirater à la suite. Non. Le problème c'est que il y a un moment il se retourne contre moi. Tac tac tac, nickel. Est-ce que je m'arrête là? Bon, de toute façon oui. Hein. La prochaine fois que j'aurai besoin d'aller dans la zone, je prendrai une autre branche. Un autre chemin pour découvrir le reste de la zone. Alors là il me demande de TP. Il y a plein de quêtes en plus. Placer, voyager. Chargement. La barre de chargement est à fond depuis un petit moment. Ok, je pense que c'est pas bon signe. C'est un bon premier plantage sur ce jeu. Il faut un début et tout. Alt F4. Ah là 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 là. Ouais mais je sais pas sauvegarder depuis un petit moment. Oh c'est casse. Ah ça fait un moment que j'ai pas sauvegardé, j'ai même pas sauvegardé une seule fois aujourd'hui. J'ai joué combien de temps? 47 minutes? Je sais pas si on perd. Oui la sauvegarde automatique. Oh la vache. Ah du coup c'est après le long coup. Quête. Annexe. Tâche. Partie de chasse. Apporter les trophées. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as tout compté, mais ça m'a fait réapparaître ici?
Ouais, apporter le trophée, donc bien récolter le dernier truc. Ouais, bah du coup, sauvegarde. Là. Tac. Ouais, étrange, ouais. J'ai pas m'en plaindre, ça a sauvegardé, c'est le principal. Tac. Allez, re-TP ici, on va voir ce que ça dit. Espérons que ça charge cette fois-ci. Parce que la barre de chargement elle est masquée par le footer du stream. Nous sommes face à un petit... Ah, c'est ça. Problème de non-chargement. Ok. Bon. Après, bon, c'est peut-être normal que ça mette un peu plus de temps parce que c'est une ville, mais... C'est quoi le chemin? J'aimerais bien me marier, mais... Tu cherches des artefacts? Oui, mais ce n'est pas pour l'argent. Le roi Soleil Avad m'a nommé émissaire des Banouk. Je travaille pour leur compte. Je suis à la recherche des reliques sacrées à renvoyer chez eux, à Banour. Je suis particulièrement intéressée par les statuettes de bois qu'on trouve parfois près des peintures rupestres Banouk. Si tu en trouves, j'ai des articles de valeur à échanger. Dis-moi plus sur ces statuettes Banouk. Ce sont de simples bouts de bois, faits par Arnouk, un chasseur légendaire, exilé de Banour pour avoir assassiné son chef. Il a laissé les statuettes à côté de pierres peintes dans des endroits qui lui rappelaient ses terres. Plus tard, il a été innocenté par sa tribu. Maintenant qu'on le considère comme un héros vagabond, ils veulent ces statuettes, et je fais tout ce que je peux pour les aider. Je les achète en leur nom, si tu en trouves une. Tu dis que le roi t'a nommé émissaire des Banouk ? En effet, je me rends très souvent à Banour. Les chefs des camps me font confiance. J'entretiens leurs relations diplomatiques avec Avad. Certains les trouvent un peu mystérieux, mais je comprends parfaitement leur fonctionnement. La seule chose à faire, c'est d'être le meilleur. Peu importe la puissance de tes parents, d'être une femme ou un homme, ils respectent le talent, et l'hérédité n'a aucune valeur à leurs yeux. Ça semble idéal. Les Karjas ne comprennent pas, et comme tout ce qui leur semble étrange, ils méprisent ces principes. Ok. Donc du coup, une utilité à la récolte. Alors négocions. Objets spéciaux, cartes... Ah bah oui. Ah oui, moi, je prends toutes les cartes disponibles. Et du coup, les artefacts... Artefacts Banouk. Me donnent des caisses spécifiques. Et ça les prend... Ok. Reviens me voir si tu trouves des... Et toi, l'étrangère. Je sais pas si, du coup, ça disparaît de mon inventaire ou... Non, c'est dans mon carnet, de toute façon. C'est pas cette partie-là. Objet collectionné, DLC, non. Objet collectionné, là. Oui, non, il reste dans mon inventaire, évidemment. Ok. Et du coup, ça m'a donné... un coffre. Boîte de modification, surtout des boîtes de modification. Que c'est pas ouf non plus, mais... Tu as des reliques. Du coup, sur ma carte, c'est de nouvelles zones qui sont apparues. Peut-être. Donc toi, c'est pour les trucs Banouk. J'imagine qu'il y a chacun vend... Non. Qu'est-ce que tu vends, toi? Cet objet n'a aucune valeur, sauf pour être... Peut-être pour les marchands les plus
éclectique. Il faut un cœur de testudien pour ça. Un petit panier sale. C'est une blague. L'intérêt. 13 de cristal. Et il doit avoir un truc avec ça, parce que c'est, ça vaut extrêmement cher. Sérieusement. Mais je m'étais pas... j'avais peut-être ouvert qu'un seul vendeur. Mais en fait, il y a peut-être des choses spécifiques. C'est pour ça qu'il y en a autant, d'ailleurs. Prendre le tour du garde de mon frère aujourd'hui. Ok, je peux retransformer mes... Oh bah tiens. Une fois que j'ai acheté tous les trucs qui servent à rien, visiblement je peux les réutiliser. Pour acheter ces boîtes spécifiques. On peut acheter qu'une fois évidemment. Ok. Je sais pas ce que ça représente exactement. Du coup, je vais essayer. Hein. Voilà, j'ai pris les trois résines. Qu'est-ce que ça me donne tout ça? Les coffres qui sont là. Il y a les trois paniers et il y a les trois boulons. Inventaire, boîte à trésors. De la flambée. C'est de la. De la grosse. Ok. Je m'attendais à quelque chose d'intéressant, mais. 8. Déçu. Ok. Ouais, j'en aurais besoin. Donc pas intéressant celui-là. On a deux autres vendeurs ici. D'accord. De quoi tu voulais parler? Tu es une étrangère. C'est très bien. Mais une Nora, c'est embêtant. Est-ce que tu crains les ruines des anciens comme ceux de ta tribu? Non. Mais elles peuvent être dangereuses. Alors tu as peut-être vu ce que je recherche. Dans tes voyages, as-tu vu d'étranges réceptacles, agrémentés de symboles des anciens? Il s'agit de simples cylindres creux, avec des poignées en croissant sur les côtés. Si tu m'apportes 4 de ces réceptacles, je te donnerai volontiers ce que j'ai en échange. À quoi pouvaient bien servir ces réceptacles? Je suis convaincu qu'ils étaient utilisés une fois combinés entre eux. Certains pensent qu'ils servaient à la cérémonie du thé. D'autres estiment qu'ils contenaient sans doute des essences et des huiles sacrées. Mais, personnellement, je crois plutôt qu'ils servaient pour le rasage protocolaire de la barbe. Un pour l'eau, un pour la lotion, etc. Chaque fluide dans son réceptacle, puis appliqué solennellement à chaque étape du rite. Ça devait être... fascinant. Mais lequel servait à quel produit? Il faut que je sache, je dois poursuivre mes recherches. Tu ne crois pas qu'il servait simplement pour boire? Boire? Dans des objets de terre si finement ornés? Ne sois pas ridicule. D'accord. Alors, tu t'intéresses aux anciens? C'est bien plus que ça.
J'étudie tous les artefacts anciens que j'arrive à dénicher. Mais des années de recherche m'ont rendu trop faible pour quitter mon bureau. À vrai dire, je ne supporte même plus le soleil. Je ne sais pas comment faire pour trouver une compagne. Ma famille me réclame un héritier. Ce sera sans moi. Oh non, 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 ce n'est pas ça. En fait, mon père a déjà choisi qui il voudrait que j'épouse. Mais elle ne m'intéresse pas. J'aurais aimé avoir un frère pour lui confier ce fardeau. Je préférerais rester seul avec mes chers réceptacles. Ok, ok. Rien à rajouter. Oui, oui, faisons vite. J'ai beaucoup de travail. Ouais. Et du coup, lui... Ah, ok. Donc c'est avec lui que je redonne les... passes. Ok, 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 ok. Donc chaque objet de collection... est à redonner dans cette ville à quelqu'un. Je te laisse reprendre la chasse. N'oublie pas de fouiller dans les ruines. Oui, 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 tais-toi. Ah. Il y a un autre vendeur. Je ne suis pas forte, brave, active. Viens, discutons. Alors lui, il vend directement. Ah, c'est le vendeur tout à fait classique. Ah oui, j'ai cette arme-là aussi à acheter. Bah, tiens. Équipé. Voilà, ça j'ai un exemplaire de chaque. Il faut choper une peau de renard pour avoir ce pack de déplacement rapide doré. Je sais pas à quoi il sert, mais je posais la question la dernière fois. Ok. Ah, du coup, j'ai plein de didacticiels qui sont ouverts, normal. Et une capacité de stockage en plus. Ok. Et une fabrication de... Du coup, j'utilise des flèches qui font... 45 de dégâts. Ça, et là, c'est des trucs qui font 5 de dégâts, 10, 5. Elle est ouf. Ah non. Je crois que c'est une mitraillette. Enfin, qui pourrait s'apparenter à une mitraillette. Ici, évidemment. Et du coup, les sauts de vendeur. Non. C'était pas le bon endroit. Ok, tu t'occupes de quoi, toi? De quoi tu voulais me parler? Tu es une étrangère, non? Oh, mais arrêtez avec ça! Une aventurière? J'étais comme toi avant. Je l'avoue, les couleurs de la nature me manquent tellement. En parlant de ça, je me demandais si tu avais trouvé des fleurs très spéciales. Elles sont en métal, comme une machine. D'autres fleurs poussent autour en formant des motifs incroyables. Ces beautés merveilleuses sont très recherchées par mes clients. Si tu m'en apportes, j'ai des articles de valeur à échanger. Ces fleurs de métal, d'où elles viennent au juste? Personne ne le sait. Certains disent qu'elles sont apparues il y a 20 ans quand les machines sont devenues folles. Elles jaillissent peut-être des larmes du soleil. Il a bien des visages, tu sais. Furieux un jour, paisible le lendemain, les souffrances provoquées par sa rage le font peut-être pleurer. Tu as dit que tu étais aventurier? C'est exact. Les nobles de Méridian recherchent des fleurs pour leurs balcons et jardins. Alors je suis parti, avec un arc et une lance. Je me suis fait un nom en recherchant les fleurs les plus rares des terres sauvages. Aucun bandit et aucune machine ne m'empêchaient de les trouver.
Et après ça? L'amour, ma chère. Ma bien-aimée s'inquiète quand je pars en expédition. Alors je récupère les fleurs auprès des gens sans attache. Et ça vaut le coup? D'être coincé comme ça? Bien sûr. La liberté est douce. Mais l'étreinte de ma belle Théradine est plus douce encore. Ah! Marchons donc un peu pour ces merveilles. Ok, donc lui qui s'occupe des fleurs. X10, ok. Là, c'est vraiment pas des achats spécifiques. Ok. À la prochaine fois. No. Tu aurais un moment étranger. Et du coup, il me manque un. Et là. Et toi, tu t'occupes de quoi? Ah, le vendeur de lentilles, ok. Et tu vends des tresses aussi? Des cœurs? Ah. Ok, bon. Ah, déconner non plus. Mais il vend des cœurs aussi. Tout niveau? Un cœur de petit étudiant, par exemple, oui. Ok. Ok. Bah, c'est bon à savoir. Carnet. Objet à collectionner. Donc, j'ai vu... Ah, par contre, j'ai pas vu celui qui s'occupait des projecteurs. J'ai vu les fleurs, j'ai vu les tasses. J'en ai... Non, je vais pas les louper. Hein. On verra bien. Je chercherai plus tard si je le trouve pas. Alors bon, on va rendre cette quête, partie de chasse. Ma sœur est abrumante. Je n'arrête pas de penser à elle. J'espère qu'elle va bien. Je croyais t'avoir dit... Je viens présenter des trophées au Faucon Soleil du pavillon. 3 dents de scie, 2 ravageurs et un tracker pour l'ambiance. J'imagine que Talana t'a donné un coup de main. Je les ai abattus, toutes seules. Tu les acceptes? D'accord, très bien. Je les accepte. Mais dis à Talana qu'elle devrait cesser de jouer avec la racaille si elle veut s'offrir Rouge Mort. Partie de chasse terminée.